Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par le traditionnel point météo. Vous le voyez, c'est toujours du grand soleil au programme de ce mercredi avec des températures maximales qui avoisineront les 24 degrés. Vous le voyez derrière moi, c'est l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Les joueurs sont convoqués ici même depuis ce matin pour le déplacement, vous le savez, à Kazan. C'est un groupe de 20 joueurs qui a été convoqué par Willy Sagnol pour ce déplacement. On notera dans le groupe le retour du capitaine Lamine Sané après plusieurs mois d'absence. Et puis à noter que Maxime Pungé et le défenseur Pablo ont été laissés au repos. Deuxième match donc d'Europa League pour les hommes de Willy Sagnol. On rappelle que c'est un voyage d'environ 5h30 qui attend le groupe bordelais. Alors, le programme de la journée est simple. En arrivant en Russie, eh bien, les Bordelais se rendront pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match et puis s'entraîneront à huis clos, comme toujours, juste avant la rencontre qui aura lieu, vous le savez, demain soir à 21h, heure française. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.